Ah, c'est bon, je viens de lancer sur Facebook. Loan, et éventuellement, tu pourrais, si tu le souhaites, partager si jamais ça t'intéresse. Partager. Oui, j'ai quelques amis là qui essaient de se connecter. Mais à ce D'accord. qui paraît, ils ont été bloqués parce qu'ils ont fait plusieurs tentatives de connexion avec le mot de passe et donc ça n'a pas passé. Mais bon, c'est pas grave. Ça passe pas? Non, ça n'a pas passé, non. Du coup, ça sera enregistré, donc je vois que c'est déjà enregistré. Donc c'est enregistré et aussi ils peuvent, si vous pouvez partager juste la page Facebook du Club des dirigeants, parce qu'on serait live sur cette page, ils peuvent Ah suivre oui, c'est en live. super. Ok, Voilà. je vais leur dire. Je vais leur Donc dire. déjà on est en live sur Facebook, je sais pourquoi, peut-être c'est le temps de démarrer. Ok. Voilà, donc bonjour à tous. Bonjour à la communauté qui nous suivent et qui suivent le Club des Ils sont dirigeants. là sur la page. Donc aujourd'hui, la série de webinaires continue et nous allons traiter un sujet important à toute entreprise, le business agility, un destin incontournable, oui, digital, mais pas que les digitales. Pour aller plus loin par rapport au business agility comme principe, comment l'intégrer, etc. Nous avons l'honneur d'avoir avec nous Monsieur Marwan Ajraoui. Merci beaucoup Marwan pour d'avoir accepté notre invitation. C'est un Et honneur. aujourd'hui, bien sûr, on veut votre partage pour que la communauté ou pour que les entrepreneurs puissent sortir de ce webinaire avec un maximum d'informations et des choses qui peuvent les aider dans cet environnement macro qui est en train de changer et sachant que la majorité, il est post-préparation à ce qui va venir par la suite. Donc, merci beaucoup, Marwan. Juste avant de vous donner la parole pour vous présenter plus et présenter votre parcours et par la suite commencer le débat, j'aimerais juste rappeler un petit peu les règles. On serait à 1h45 minutes maximum en termes de timing. Bien sûr, après la présentation de notre invité, vous pouvez éventuellement utiliser, si vous êtes avec nous, au niveau du chat, utiliser le chat ou le QR pour partager vos questions. Si vous nous suivez au niveau du Facebook, n'hésitez pas aussi à partager vos différentes demandes. Et voilà, donc la parole à vous, Simrouane. Micro. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Farah. Merci au club des dirigeants. Eid Moubarak Saïd à tout le monde. Donc, c'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. En effet, le monde, il est en train de changer. Là, on est là présent. On est là présent. On répond présent à une telle initiative de favoriser un écosystème. Au Maroc, dans le monde, un écosystème d'entrepreneuriat inclusif. Et donc, aujourd'hui, j'ai l'honneur de participer avec vous et c'est un vrai plaisir de parler sur la business agility et partager mes expériences. Donc, un petit mot sur moi, comme j'ai du mal à me présenter assez souvent. J'ai fait un petit dessin, donc ça fait sortir un peu de l'ordinaire. Ça s'appelle Personal Map. Donc, Personal Map, Mohamed Merouane Ajraoui, d'origine marocaine, né à Meknès, 38 ans. Qu'est-ce que j'ai pu faire dans ces 38 ans? Donc, j'ai fait des études en IT, tout ce qui est software dans plusieurs universités.
notamment l'université Carlos III de Madrid, Queen Mary University de Londres et l'école polytechnique de Alicante. Suite à ça, bon, j'ai continué à développer mon activité en Europe. Donc, j'ai beaucoup aimé voyager. Donc, je me suis mis à mon compte comme digital nomade. Et j'ai voyagé. Donc, j'ai voyagé. J'ai pu vivre dans plusieurs pays, notamment l'Espagne, la Suisse, la République tchèque, la France, l'Angleterre, l'Irlande. Dans ces voyages-là, j'ai pu aider plusieurs organisations, autant que digital, architecte digital, développeur, agile coach, business agility coach. Donc, j'ai occupé plusieurs postes dans plusieurs industries, notamment la nutrition avec Nestlé Global Health, banking. Donc, j'ai fait BNP, j'ai fait la caisse d'épargne. NewHB, le retail, j'ai fait Galerie Lafayette avec aussi Sopra sur des logiciels. J'ai fait des institutions européennes, dont tout ce qui est l'Office international de propriété intellectuelle, la World Custom, l'Europol. Là, j'avais un rôle d'architecte logiciel. J'ai fait des projets avec l'administration publique, avec le télécom, notamment Bouygues Télécom. J'ai fait Airbus, donc programmation pour les avions, des protocoles de communication entre les familles d'avions Airbus 330, 350, 380. J'ai fait du healthcare, c'était, j'adore le healthcare, donc j'ai fait ACFA Healthcare et j'ai pu collaborer avec cette boîte pour créer des produits pour la santé, donc pour la santé publique. Et dans mon quotidien, j'aime beaucoup tout ce qui est initiative entrepreneuriale, donc j'aide aussi des startups avec des business models différents. J'ai aussi ma propre entreprise, donc Jedi Squad. J'en suis le CEO et le CEO veut dire bon écosystème, c'est Chief Ecosystem Officer. C'est un modèle business très communautaire. Donc c'est une communauté de freelancers un peu partout en Europe surtout. Je suis aussi le fondateur de l'initiative Agile Africa pour ramener l'agilité à l'Afrique, l'entrepreneuriat à l'Afrique. Donc, je suis président de l'association de constitution française et sur tout ce qui est action sociale, je fais du networking un peu dans différentes communautés, notamment Agile France, Agile Dojo, Agile Norway, Agile Suisse et autres. Mais en passe-temps favori, donc la musique, l'aïkido et le windsurf. Donc, en gros, je résume un peu ma vie très, très rapidement. En famille, donc, super. Même en ayant une vie de digital nomade, enfin, j'ai réussi à trouver ma femme, ma compagnon de vie. Donc, j'en suis très content aussi. Aujourd'hui, après avoir fait cette présentation, pourquoi je suis ici aujourd'hui? Donc, comme j'ai dit, j'ai un driver, j'ai vraiment envie de booster l'innovation, du pivotage, de l'expérimentation et la croissance économique, surtout de mon pays, le Maroc. Parce qu'après avoir vécu 20 ans un peu dans différents pays, on a toujours cette nostalgie de vouloir rendre à l'Afrique ce qu'elle nous a donné, au Maroc ce qu'il nous a donné. Donc aujourd'hui, je suis là pour favoriser cet échange pour co-construire un meilleur monde de demain,
au Maroc et en Afrique et sur d'autres sujets. Le besoin est clair parce que dans l'économie d'aujourd'hui, les entreprises, ils n'ont plus le luxe d'avoir une certaine stabilité. Donc aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses. On va parler de Business Agility, qui est vraiment, je ne dirais pas une méthodologie. Je dirais en fait que la Business Agility, elle est en émergence. C'est plusieurs pratiques. Et je dirais que c'est une science qui se base sur le pragmatisme. Donc, on peut dire que c'est la science de l'entrepreneuriat. Sur cette introduction, comme on parle de Business Agility, j'aimerais bien l'expliquer avec un concept. Et c'est un concept qui a été suscité par un écrivain, Nassim Taleb, dans son livre Anti-Fragility, in the Book Era. Et donc, antifragile, ça veut dire quoi? On a tous connu des grandes structures, des grands comptes, des influenceurs dans le marché, par exemple Kodak, Nokia, Washington Mutual. Ils ont tous été dominants dans le marché à un moment donné. Et on ne sait pas ce qui s'est passé. On peut faire une analyse historique. Mais tous ces acteurs majeurs, ils sont disparus aujourd'hui. Ils ne sont plus là aujourd'hui. Donc, il y a eu des turbulences, comme celle qu'on vit aujourd'hui avec le Covid-19, qui induit à des petites startups à s'installer, à des grands comptes à revoir leur stratégie. Et s'ils ne revoient pas leur stratégie en temps, donc là, c'est vraiment un concept de « adapt or die ». C'est vraiment s'adapter ou bien le business, le cycle de vie des produits, c'est normal. On atteint une certaine courbe et cette courbe-là dans les produits, notre portefeuille produit, Elle se développe et à un certain moment, il y a le déclin. Donc, si on n'innove pas, si on n'essaye pas de se repositionner, il est très difficile de survivre dans le marché. Donc, antifragilité, imaginons, pour l'expliquer, avec un exemple simple, imaginons qu'on a une box, qu'on a un petit carton. On a un petit carton, on met dedans quelque chose, et on frappe très fort ce carton. Donc, si ce qu'on a dans ce carton-là, il est cassé, ça veut dire en fait que ce qu'on avait, c'est fragile. Imaginons maintenant qu'on met quelque chose dedans et on le frappe avec le même coup. Par contre, quand on ouvre le carton, on trouve en fait qu'on a... qu'on a la même chose qu'on avait mis dans le carton. Donc là, on parle de résilience. On parle de que la chose qu'on a mis, elle est restée intacte. Maintenant, imaginons que ce qu'on met dans le carton, on le met, on met un coup fort à cette box, à ce carton, et on réouvre le carton et soudainement, ce qu'on trouve dans le carton, il est vraiment meilleur. Donc, ce qu'on a mis dans le carton, il a pu bénéficier du choc pour devenir meilleur. Donc, l'antifragilité, elle va au-delà de la résilience ou bien de la robustesse. Elle profite des chocs pour être encore plus forte. Et donc, sur ce concept d'antifragility, j'aime bien construire sur ce concept la notion de la business agility, qui est un certain moyen de devenir antifragile. Donc, l'antifragilité,
Dans un marché qui est volatile, incertain, complexe et ambigu, est devenu une chose très désirable par les organisations. D'autant, deux moyens pour y arriver. Un des moyens pour y arriver, c'est la science de la business agility. Donc, si on se disait c'est quoi la business agility, j'ai fait une petite recherche, donc j'ai trouvé plusieurs définitions de la business agility, donc ça va de plusieurs instituts, Business Agility Institute en Australie, de McKinsey en US et d'autres cabinets. J'ai trouvé plusieurs définitions et ça m'a inspiré pour, en fait, il y avait quelque chose de mon compte, dans selon mon prisme, à ces définitions-là. Donc, j'ai fait cette décision de merger ces définitions en une, qui faisait plus de sens selon mon expérience. Business Agility, c'est la capacité d'une organisation à écouter, à sentir les changements dans le marché. Donc là, c'est l'écoute. Comment on écoute le marché? Et après cette écoute, comment on capitalise sur ces conditions, ces nouvelles conditions du marché, pour y répondre d'une façon assez rapide, d'une façon assez en harmonie avec ce qui est attendu par ce marché, pour pouvoir vraiment livrer une valeur optimale à un écosystème. Un écosystème, donc ça peut être des clients que nous avons déjà, ça peut être des prospects, ça peut être des visiteurs, ça peut être un écosystème, ça peut être un écosystème assez vaste. Et la notion assez importante, c'est la rapidité. La rapidité. The least amount of time. C'est la rapidité. La rapidité, c'est vraiment très important aussi. C'est un concept très, très, très important dans la business agility. Et ce n'est pas un concept qui date de quelques années. C'est un concept, au fait, qui date depuis des milliers d'années. Pour pêcher dans la mer, il faut être vraiment très, très rapide, il faut être réactif, il faut savoir écouter, il faut savoir voir où on peut trouver des poissons, il y a des signes, il y a des terrains fertiles aussi pour des agriculteurs. Bon, c'est la même chose dans une organisation, que ce soit digital, que ce soit de l'IA, que ce soit de la réalité augmentée, que ce soit de l'IoT, de Internet of Things, que ce soit des produits digitales, c'est le même concept. Le plus important dans ce concept, c'est le mindset. Donc, déjà comme individu, développer ce mindset de chercher et de test and learn. J'aime bien cette connotation, test and learn. Inspect and adapt. Ça veut dire, en fait, que nos apprentissages, ils ne viennent pas des livres seulement. Non. Nos apprentissages, ils viennent vraiment du vécu. Ils viennent vraiment d'une expérimentation active, de quelque chose vraiment que peut-être on a lu, mais on a mis en exerce. Et après l'avoir mis en exerce, on a appris. On a réfléchi, on a eu des résultats, on les a analysés. Très bien. Peut-être ça a réussi, peut-être pas. Ce n'est pas grave, on a appris. Et on itère. On teste autre chose. Et c'est cette dynamique, ce mindset-là pour développer ce pragmatisme et ne pas rester seulement dans le rêve. Donc, je me rappelle, j'avais eu une interview il y a longtemps avec un CEO d'une boîte et c'était 2 heures, j'étais sorti avec la tête qui tournait. On avait eu un échange assez intéressant. Et ce que je garde de cet échange, c'est on n'est pas que des rêveurs, on est aussi des réalisateurs. La plupart des gens, ils vont brainstormer, ils vont dire on va faire ça, on va essayer de faire ça. Mais on a vraiment très peu qui passent à l'action. Donc, dans ce mindset-là de business agility, on est vraiment dans l'expérimentation. Si on n'avance pas, si on n'ose pas,
notre apprentissage il serait très abstrait, moins pragmatique. Et donc, aujourd'hui, on va expliquer quelques outils qui vont permettre à des personnes, à l'écosystème en général, au Maroc et en Afrique et au monde, de pouvoir tester et apprendre à un coût minimal. Donc, ça sera le Lean Startup. On parlera de Lean Startup. L'autre partie du mindset, c'est que quand on parle d'un mindset agile, on gagne beaucoup en termes de collaboration, en termes de transparence, en termes de confiance. Parce que quand on commence à pratiquer et à vouloir expérimenter, on cherche des partenaires, on essaye de comprendre les écosystèmes, comment ils marchent, et on évolue. Donc, on évolue socialement, on évolue aussi émotionnellement parce que ce n'est pas facile d'avoir, par exemple, une start-up avec 4 associés ou 5 associés. Ce n'est pas facile de gérer une association aussi avec plusieurs intervenants, plusieurs personnes qui ont des attentes différentes. Et tout ça, ça nous construit, ça nous permet d'apprendre. Et ça fait partie de ce mindset. Donc, le test and learn. Et avoir des valeurs bien positionnées au niveau de la transparence, la collaboration, la confiance et avoir ce besoin social d'aider et de co-construire, de collaborer. Notamment quand on assesse, quand on évalue des organisations, parce que dans une partie de mon travail, j'évalue des organisations, donc des startups et des grands comptes, on trouve que le mindset est quelque chose de fabuleux. Et on trouve en fait qu'il y a toujours une culture qui est instaurée dans une start-up ou dans un grand compte, il y a une culture. Cette culture, elle est très diverse dans un grand compte. Par contre, dans une start-up, elle est très réaffirmée dans le leadership que peut avoir cette start-up et son écosystème, là où elle évolue. On peut avoir, en fait, des différents niveaux sur les pratiques que l'on peut trouver, notamment pour explorer les opportunités, les façons de travailler, oser expérimenter, les principes de collaboration que l'on peut avoir, les valeurs, ce qu'on appelle the purpose, on appelle l'objectif ultime d'une organisation. Et donc, sur tout ça, quand on évalue tout ça, on trouve au fait qu'il y a plusieurs niveaux sur ce mindset-là. Il y a un niveau où on va avoir plusieurs employés, par exemple, qui vont être dans une attente d'un commun, d'un contrôle. Ça veut dire, OK, on leur donne des objectifs et ils vont exécuter. Après, on va contrôler ce qu'ils ont fait. Est-ce que vraiment c'est en adéquation avec ce qu'on avait en tête? Et normalement, sur ces cultures d'entreprise qui sont basées sur le command and control, il n'y a pas beaucoup d'innovation. Donc, je tenais à le dire. Ces organisations, quand ils réussissent à évoluer et à mener un changement culturel, ça veut dire donner le droit à l'erreur. Le droit à l'erreur, mais le droit à l'erreur, moi j'aime bien dire, c'est cost effective. Ça veut dire, en fait, le coût, il est très minimal. L'énergie, elle est très dépensée pour apprendre, il est très minimal. Et l'engagement des employés, il est encore meilleur parce qu'on leur permet d'apprendre empiriquement. J'espère voir plus d'organisations au Maroc et en Afrique qui pratiquent cette culture
du fail fast, cette culture agile ou de business agility, parce qu'avec le command and control, normalement, on ne va pas très loin. C'est des décisions qui sont très centralisées. L'innovation, elle est très, très centralisée. Et au fait, quand elle est très centralisée, ce qui est brainstorming pour innover, ce qui est intelligence collective, reste très, très, très limité. Notamment dans ces organisations-là où on réussit à faire cette transition culturelle, à développer vraiment des initiatives qui stimulent l'apprentissage empirique et continu. Donc là, je parle d'apprentissage, apprentissage empirique et continu. Là, on peut dire en fait qu'on est arrivé à un certain mindset qui va stimuler de la business agility et de l'agility. Il y a un modèle d'apprentissage derrière tout ça. Et on peut le retrouver, par exemple, ça vient de l'aïkido. Et ça vient de la culture japonaise. Et ça s'appelle Club Learning Style. Dans notre système d'éducation aussi, si on veut l'impacter, notre système d'éducation, par exemple au Maroc, là on est avec le CDD Maroc, je ne sais pas vraiment où nous situer. Ou situer nos organismes d'éducation. J'aimerais bien nous situer dans le centre. Donc, ça veut dire que normalement, quand on étudie, quand on essaie de comprendre des choses, il y a une expérimentation qui se fait. Il y a un TP, il y a des projets, il y a des startups qui peuvent naître depuis des universités, depuis des organismes de formation. Et suite à cette active expérimentation, on mène les actions et après on se pose des questions. Donc, qu'est-ce qu'on a appris depuis cette expérience? Okay, donc là, on a lancé quelque chose, on a posé des questions sur un marché, par exemple, sur créer de la valeur pour une communauté, sur créer de la valeur pour une target audience. Pour une audience cible. Et là, on peut, après avoir mené cette expérience, avoir vraiment un sentiment. Un sentiment, avoir des pensées et comprendre. Comprendre, avoir des réflexions et apprendre. Donc, ça, c'est un modèle qui stimule aussi ce mindset agile et cette business agility. Qui part pas très loin sans un mindset agile. Quand on développe ce mindset, quand on développe ce mindset, on apprend ce qu'on appelle aussi PDCA. C'est P, c'est plan, D, c'est do, C, c'est check, et A, c'est adapt. Donc, on apprend à planifier rapidement quelque chose à construire. On l'a construit, OK. Si ça réussit, on apprend. Si ça rate, on apprend. Donc, on apprend aussi ce moment de rétrospective. Et on recommence pour apprendre de nouvelles choses. Donc, ici, sur le Lean Startup, on est en train vraiment de mener plusieurs expérimentations. On essaie d'apprendre très rapidement et on essaie, une fois on rentre dans cette dynamique d'essayer des choses itérativement, incrémentalement, on peut facilement aller vers développer plusieurs choses. Donc, développer des produits, développer des stratégies. Et c'est très, très, très intéressant pour découvrir de nouvelles opportunités du marché. Parce que maintenant, aujourd'hui, le marché il a complètement changé avec le COVID-19.
pour valider les apprentissages, ce qu'on a lu par exemple dans les livres, ce qu'on a entendu, là on l'a fait et ça nous a donné un résultat peut-être différent, peut-être là on peut le valider, oui, ça marche. Donc cet esprit de Lean Startup est très 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 intéressant sur la business agility. Le Lean, comme on a évoqué Lean Startup, j'ai envie de mettre une petite parenthèse sur le Lean. Donc le Lean, c'est ça a vu sa naissance sur Toyota et au-delà. Lean Manufacturing, Lean Six Sigma, bon, il y a le Lean Startup. Et donc, toutes ces pratiques-là qui ont le Lean, c'est le management du maigre. Le management du maigre, ils vont essayer d'éliminer tout ce qui est gaspillage, d'optimiser pour construire de la qualité, d'accélérer pour avoir des apprentissages pragmatiques, mais très accélérés. Ils peuvent avoir aussi un impact sur l'engagement, parce que quand on commence un projet et on commence vraiment à y aller, on cultive ce mindset-là entrepreneurial et de business agility, et on essaye au fait d'arriver et atteindre les résultats très rapidement. Parce qu'on est très engagé, on veut voir au fait qu'est-ce que ça va donner, surtout pour les curieux. Tout ce qui est Lean aussi, il va prendre beaucoup soin de l'écosystème. Ça veut dire, au fait, il va prendre beaucoup soin du respect et du empowerment. Donc, comment mettre en valeur l'humain avec ce qu'on crée. Comment aider vraiment la société. Comment avoir vraiment des target audience, des cibles. Et quel est l'impact qu'on va causer sur ces cibles pour pouvoir vraiment réussir notre business model. Bref, on essaye vraiment d'optimiser le tout. Donc, ce qui est difficile quand on commence avec la business agilité, c'est qu'on commence avec une idée, on la construit, on mesure, on apprend et on essaye de capitaliser sur cette idée. Et un concept qui est très important, dans le Lean Startup, c'est je pense, c'est le MVP, c'est le Minimum Viable Product ou bien Valuable Product, c'est le produit de valeur minimale qu'on peut lancer sur le marché et qui nous permet d'avoir des apprentissages validés. Et dans ce produit-là, au fait, qu'on va essayer de lancer, on va peut-être le lancer et on peut avoir des assumptions. Donc, on peut avoir une assumption comme quoi, au fait, que si on change notre produit, par exemple notre application ou bien notre app téléphone pour lui mettre un bouton qui va permettre de connecter, par exemple, un médecin avec un patient et qu'il puisse échanger en chat. Peut-être si on fait ce changement-là, on va avoir plus d'acquisition d'utilisateurs de notre app. On peut avoir cette assumption. Après, quand on va essayer de la développer, on va la lancer, on va voir en fait que peut-être ça ne marche pas. Peut-être ça ne marche pas. Et donc, dans ce cas-là, il faudra pivoter. Le pivot, c'est un concept très important parce qu'en fait, ça nous permet, une fois qu'on a lancé une expérimentation, une fois qu'on a analysé les données, et qu'on a mesuré des choses tangibles sur le comportement des utilisateurs, de pouvoir dire, bon, là, ça ne marche pas, il faudrait pivoter. Et je pense qu'aujourd'hui, avec la situation actuelle dans le marché mondial, il est temps de se poser une question, si on veut vraiment développer notre business agility. Il est temps de se poser une question. C'est combien et de flexible votre business model. Et si vous deviez dévier un peu votre direction ou construire ou capitaliser sur ce que vous avez pour pouvoir vous adapter à cette nouvelle ère, ça serait quoi l'idée derrière? Donc, vous opteriez pour faire quoi?
Donc, le pivotage, ça permet de dire OK, je ne vais pas dans la bonne direction. Ou bien, OK, j'ai écouté des choses qui se passent dans le marché, j'ai vu au fait des nouvelles tendances, il y a des nouvelles conditions qui viennent s'instaurer dans ce VUCA, dans ce marché volatile, incertain et ambigu. Donc, comment je peux adapter mon business model pour être vraiment en syntonie avec ce marché, pour vraiment être bien positionné, sur ce marché. Comment je peux pivoter? Comment je peux changer mon business model pour être bien positionné? C'est comme une vague, hein, il faut être bien positionné pour bien prendre la vague, si on fait du surf. Donc, sur le pivot, ça c'est une question que j'aimerais bien avancer à tous les participants. Combien de vous ont déjà pensé à pivoter leur business model? Bon, c'est une question que je laisse ouverte pour vous tous, en espérant que ça vous apporte de la valeur et que ça vous inspire pour créer des choses encore plus belles. Ici, ça nous mène à une pratique que j'ai pu un jour inventer, mais qui est inspirée d'un framework UX, donc User Experience Design de Google. Et donc, la question ici à se poser, c'est comment améliorer votre produit si vous en avez un. Le framework hard de Google, il va essayer de segmenter l'usage de vos utilisateurs finaux. Et il va essayer de construire un ensemble de mesures centrées sur ces utilisateurs-là. Donc, l'objectif ultime de ce framework, c'est d'identifier des optimisations sur l'expérience utilisateur. Donc, le framework HARD de Google se compose de 5 facteurs. Tout ce qui est bonheur ou happiness, donc que pensent les utilisateurs de votre produit. Comment savoir ça? On peut mener des enquêtes de satisfaction, des promoter scores. On peut demander du feedback à nos alentours, par exemple. On peut demander du feedback, tout court. Il y a plusieurs façons aussi d'évaluer est-ce que, en fait, les utilisateurs ils sont contents avec votre produit. Et si vous n'avez pas encore de produit, vous avez une idée business, on parlera un peu plus tard du design thinking aussi, qui va aussi stimuler ce genre de recherche dans le marché pour pouvoir identifier s'il y a un market fit ou pas avec votre target audience. Une fois, en fait, que nous avons eu ce feedback sur ce que les utilisateurs aiment sur notre produit et ce qu'ils n'aiment pas, on peut aussi analyser, selon le framework HARD de Google, l'engagement. Donc, l'engagement de ces gens. Par exemple, si on a un site web, on peut mesurer avec Google Analytics, par exemple, les utilisateurs qui reviennent assez souvent sur notre site. Si on a, par exemple, une application mobile, on peut aussi identifier à quelle fréquence les gens ils reviennent pour utiliser cette app. Donc, ça pourrait nous aiguiller pour identifier le contenu le plus pertinent sur notre site ou bien la fonctionnalité la plus pertinente sur notre site et comprendre encore mieux ses utilisateurs finaux. On a aussi d'autres critères, la durée de la session ou par exemple des actions clés que l'on peut avoir sur notre application. Par exemple, la souscription à une newsletter, ça
ça pourrait être eu. Donc, après l'engagement, on a l'adoption. Donc, par exemple, si on a une app mobile, combien de personnes ils l'ont installée, ils sont en train de l'utiliser et deviennent vraiment des utilisateurs réguliers. Après cette adoption, on peut avoir la retention, quel pourcentage d'utilisateurs revient. Et aussi, un indicateur assez intéressant, c'est le taux de désabonnement. Ces personnes-là, est-ce que, au fait, pour eux, notre produit est toujours pertinent? Ça, c'est un très, très bon indicateur parce que ça nous permet, au fait, d'identifier si nos produits sont toujours intéressants dans le marché. Si le marché a changé, on pourra observer et commencer à observer des taux de désabonnement. Si on commence à observer des taux de désabonnement, il y a quelque chose qui ne va pas vraiment bien. Il faudrait qu'on commence à analyser et voir un peu c'est quoi la cause. Faire un peu de la veille sur le marché qu'on adresse. Puis, ce produit qu'on est en train de faire, donc qu'on a lancé dans le marché ou qu'on a l'idée de faire, est-ce qu'il contribue vraiment à aider l'utilisateur final? Donc, à aider sur, par exemple, la réussite d'une tâche concrète. Est-ce que ça aide pour atteindre un certain objectif, donc rapidement et facilement? Donc, c'est un peu les critères qu'utilise le framework HARD de Google. Là où j'ai un peu moins modifié ce framework, c'est que je me suis posé une question différente. Donc, comment améliorer l'expérience, pas de l'utilisateur, mais d'un employé, par exemple, dans un environnement de travail. Donc, comment améliorer nos environnements de travail, les cultures d'entreprise, les méthodes de travail, les ways of working. Et donc, quand je me suis posé cette question, par analogie, on peut pratiquer des techniques pour identifier les aspirations des employés. On peut, une fois ayant identifié ces aspirations des employés, on peut identifier les win-win synergies. Donc, sur les win-win synergies, on peut capitaliser et on peut voir, en fait, cette organisation, cette start-up ou ce grand compte, comment le rendre encore plus performant, comment le rendre encore plus adaptable au marché, plus rapide pour faire des choses. Et donc ici, normalement, si on vient avec ces win-win synergies qui sont bien construits avec des différents services, des différents départements, on peut aligner des personnes facilement sur des pratiques ou sur des façons de travailler qui conviennent, bien sûr, à une position win-win. Et là, on va parler de SDK, c'est Start, Drop, Keep. Ça veut dire qu'on peut venir et proposer ou essayer de faire émerger des propositions, c'est encore mieux, des personnes qui travaillent, des employés, et de leur dire, OK, vous voulez essayer de nouvelles choses pour devenir plus performant, des automatisations peut-être pour faire votre boulot d'une façon, pour pouvoir vous concentrer sur d'autres choses, parce que si on peut automatiser le travail des personnes, je pense qu'aujourd'hui, il vaut mieux l'automatiser pour qu'on puisse se concentrer sur d'autres choses, par exemple. Donc, des outils d'automatisation. Est-ce que, par exemple, on a essayé un outil et on voudrait bien le garder, donc Keep. Donc là, oui, on a essayé, par exemple, Hootsuite pour faire du marketing. On a essayé Kubernetes pour faire de la scalabilité. On a essayé un outil, oui, ça nous va. Et donc, on voudrait le garder. Est-ce que, par exemple, là, on a... Est-ce que, par exemple, ici, on a des entrepreneurs? Je vois que j'ai reçu... Super. Donc, j'ai reçu des données. Des données, donc 50% de l'audience est entrepreneur, c'est
génial. Et 50% de l'audience. OK. Et étudiants. Très bien. Merci. Très bien. Donc, on expliquait le SDK, donc les nouvelles méthodes de travail qu'on a essayé et qu'on aimerait bien garder. Bon, ça va avec le keep, garder. Si on veut essayer de nouvelles choses, bon, ça serait le start. Et si on a essayé des choses qui n'ont pas donné de bons résultats, ça serait le drop. Donc, sur l'adoption, on peut toujours rester en apprentissage continu, en test and learn, comme je disais tout à l'heure, et essayer de nouvelles façons de faire et à un coût minimal, d'une façon incrémentale, d'une façon itérative, et essayer de trouver des meilleures façons de travailler et d'optimiser. Le SDK, ça aide notamment à essayer des new ways of working. Bien sûr, des choses qui vont aller dans le type qu'on va garder, on va les retenir. Donc, on va les retenir, on va intégrer ces pratiques et peut-être on va les déployer si on travaille dans une grande structure. Ça pourrait être déployé sur plusieurs services, sur plusieurs départements. Surtout si on peut mesurer et on peut démontrer au fait qu'il y a un vrai gain et un vrai bénéfice qui aide l'organisation à atteindre ses objectifs plus rapidement, facilement et efficacement. Donc ici, il y a une question que je trouve très intéressante. Comment mieux s'adapter à ce nouveau contexte de travail, parce qu'on sait qu'au fait, le contexte de travail, il change, et surtout là, dernièrement, il a beaucoup changé. Comment on pourrait s'y adapter? Et j'ai envie de créer un échange entre nous tous. Si vous venez ici sur... sur ce lien que je vous ai partagé au tout début sur le chat, vous allez pouvoir voir un Jamboard. C'est un outil de la Google Suite qui va permettre au fait de faire des brainstorms en remote, par exemple. Donc, brainstorm en remote. Donc là, j'avais mis quelques questions. Comment améliorer votre produit? Comment améliorer nos environnements et méthodes de travail? Et la troisième, ça serait comment s'adapter à cette nouvelle situation. C'est très facile. On vient ici. On peut glisser une image si on le fait. Donc, je peux faire rapidement une capture d'écran et la glisser. Ou bien, on peut faire un pense-bête. Donc, brainstorm, ça vient de brainstorm. Ça veut dire la pluie des idées. Donc, c'est des pense-bêtes. On peut dire, OK, comment s'adapter ? À cette nouvelle situation des marchés. J'enregistre et c'est bon. Donc ici, c'est une question et on pourrait y répondre. Si vous voulez, on se laisse 2 minutes ou 3 pour que vous puissiez essayer l'outil et contribuer aussi, inspirer des personnes et vous inspirer pour voir comment on peut améliorer et s'adapter
notre situation sur des marchés. Donc, pas que le marché national au Maroc, mais sur des marchés outre, en Afrique, en Europe, aux États-Unis, en Australie. Vous pouvez écrire, vous pouvez dessiner, revoir son business model, c'est super. Tout à fait. Donc ici, on parle de revoir son business model pour voir si on fait un pivot, si on pivote pour mieux prendre les opportunités émergentes, un sort. Super, strengths, weakness, opportunity, threats. Génial, s'orienter vers le digital. Tout à fait. Tout à fait. Il y a une chose qui est très très intéressante, oui, tout à fait. On appelle, je vous en parlerai tout à l'heure, comprendre ses clients. Bien comprendre ses clients, oui, très très bien. Mieux connaître l'expérience client, c'est parfait. Veille économique, veille technologique, veille réglementaire. Yes. Très important. Encore 2 minutes. Exprimez-vous. Partagez. Le partage est bon. La conduite du changement, oui. Consolider les connaissances de son équipe. Bravo, oui, tout à fait. L'intelligence collective. Pas mal d'idées, bravo. Bravo. Je suis enchanté. Planifier. Très bien. Très très bien. Encore une petite minute. C'est beau, c'est super. Plan de continuité d'activité, plan de contingence. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Bravo à vous et merci pour ce partage. Merci. Vous pouvez l'alimenter, hein. C'est ouvert, je laisse ouvert. Vous pouvez l'alimenter au fur et à mesure. Donc là, on a inspiré, on s'est inspiré les uns des autres. Et on est tous, je vois qu'on est tous conscients d'une chose de très importante. Cette chose qui est très importante, c'est une composante très importante de la business agility. Je vais l'expliquer ici très rapidement. On va voir comment. Un cycle d'un produit, normalement, il va comme ça. Hop. Donc, ça commence. Bon, ça se lance. Bon, normalement, ça commence comme ça. OK. Après, peut-être, donc là, il y a le petit boom. Ça commence à marcher. Ça commence à être adopté, les gens ils commencent à en parler, il y a la médiatisation, ça monte, ça monte, ça monte. Après, bon, ça devient ici au top. Et là, au fait, il y a le déclin dans le cycle du produit. Si on analyse, par exemple Amazon, par exemple, ou on analyse, par exemple, Google, ou on analyse Mac, ou on analyse des structures vraiment qui ont marqué l'histoire. On va remarquer au fait qu'ils sont en innovation continue. Donc, au fait, ils vont commencer par là, vont lancer des choses,
Ils vont continuer. Hop. Et ça va remonter. Ça va redescendre. Et ils sont ici, par exemple, ils vont relancer une autre initiative. Ils vont relancer une autre initiative pour essayer de prendre le truc. Et au fait, ils vont aller vers là. Donc ici, on a produit 1, ici, on a produit 2, et ici, on a produit 3. On appelle ça ouverture exponentielle. Ouverture exponentielle des marchés. Parce qu'on est tout le temps en train d'innover. Après, il faut faire attention de ne pas se diversifier. Donc si on commence par plusieurs chantiers au même moment, il y a un certain risque de se diversifier. Il faudrait toujours commencer avec une certaine sérénité, mais en fait, quand il y a par exemple des crises économiques, si on a plusieurs produits, si on a construit ce qu'on appelle exponential stream upland, c'est ouverture exponentielle de stream de produits ou bien de portefeuille de produits, on devient beaucoup plus résistant. Aussi, si on a plusieurs choses, la granularité des services qu'on offre sur ces produits-là, on pourrait réutiliser cette granularité fine des services qu'on produit pour orchestrer un autre type de service. Donc, on peut avoir plusieurs options. Revenons sur, par exemple, maintenant qu'on a fait ça, j'ai remarqué que vous aviez mentionné comprendre bien son utilisateur, bien mesurer l'expérience, c'est super, ça continue de s'alimenter. Là, si par exemple, on se dit bien connaître son utilisateur avant de lancer une idée, on va trouver en fait une méthode assez connue, mais qui commence à faire le boom aujourd'hui, c'est le design thinking pour stimuler l'innovation, pour mettre en fait l'utilisateur final au centre. Donc en fait, quand on va parler de design thinking sur des produits digitaux, on va voir, en fait, il y a des outils autour de design thinking, par exemple l'Empathy Map. L'Empathy Map, on va vraiment essayer de nous mettre dans la peau de notre utilisateur final. Qu'est-ce qu'il écoute, qu'est-ce qu'il entend, qu'est-ce qu'il voit. Vraiment analyser son comportement d'achat, analyser son comportement du jour au jour, à quelle heure il se réveille, à quelle heure il voit, par exemple, LinkedIn, il se connecte, à quelle heure il va faire du sport, par exemple, à quelle heure. Donc, on va commencer à comprendre les besoins de ces utilisateurs finaux. Et surtout, quand on va essayer de faire ça, on va essayer de voir les pain points qu'ils ont, les problématiques qu'ils rencontrent dans leur jour au jour, et voir en fait comment notre produit il peut aider à faciliter leur vie du jour au jour, au quotidien, ou il peut leur rendre un service de temps en temps. Donc ça va dépendre un peu de notre produit qu'on essaie de construire. Donc le design thinking, comme il est dit, et comme je dis toujours, c'est un double diamant. Donc il y a un diamant toujours, c'est un double diamant, on ouvre toujours en divergence pour faire une analyse, et on clôture en convergence pour avoir une synthèse. Donc, en fait, c'est les 6 étapes. Les 6 étapes assez claires du design thinking. Il y a l'empathie, donc pour bien comprendre les besoins de nos utilisateurs finaux. Une fois qu'on a bien compris ça, on essaye vraiment de synthétiser. Donc, synthétiser ces problématiques-là et prioriser. La priorisation ici est très importante. Prioriser, c'est quoi vraiment le vrai problème de ces utilisateurs finaux pour pouvoir y remédier avec notre produit. Une fois qu'on a synthétisé et qu'on a priorisé la résolution de ces problèmes, et on a vraiment bien plongé, avant d'aller vers la solution, on plonge vraiment pour bien comprendre le besoin. Une fois qu'on a bien compris ce besoin-là, là, on peut aller vers l'idéation. Donc l'idéation, comment générer des idées à partir de brainstorm
qui peuvent être innovantes et qui peuvent aider à résoudre ces problèmes là qu'on avait identifiés et qu'on avait priorisés. Une fois qu'on a ces idées-là, on peut évaluer le coût pour les réaliser et on peut définir un scope très réduit, la fonctionnalité qui peut avoir le plus de succès et prototyper. Prototyper, lancer un prototypage d'un produit pour pouvoir le lancer dans le marché. On parle aussi de minimal marketable product, donc le produit à lancer dans le marché minimum, on peut le lancer et voir le comportement des utilisateurs, est-ce que vraiment ça rapporte de la valeur ou pas. Sur le design thinking, qui est très à la mode aujourd'hui, je pense que il manque de plusieurs composantes. Mais une qui est très flagrante, c'est au fait l'impact du marketing. Donc l'impact du marketing, l'impact de l'influence sociale. Et donc aussi, il y a un autre composant qui est très important ici, c'est ce qu'on appelle le framing. C'est la vision du problème et la vision de la solution. Le plus, on a un contexte qui n'est pas très, très clair pour pouvoir innover, le plus ce framing il sera très distant. Le framing, c'est vraiment la vision qu'on a du contexte, donc de l'écosystème. Et pour construire cette vision-là, le design thinking, bon, il essaye de mener des enquêtes, il essaye de mener des interviews avec les utilisateurs finaux avant de lancer les idées. Et donc, après, quand il lance, il essaye de recueillir des feedbacks. Donc, il essaye de réduire ce gap, ce qui est bien. Mais n'oublions pas d'autres facteurs qui peuvent y avoir aussi à prendre en considération. À part le design thinking et le end user centric. Toujours avec le design thinking, ici par exemple, c'est un exemple d'empathie, de persona, ce qu'on appelle un persona. Donc ici par exemple, on peut avoir une personne. Là par exemple, ses intérêts. S'il est très tech ou pas, c'est quoi ses objectifs, c'est quoi ses problèmes, on identifie tout ça. Donc, c'est bien de les écrire, de leur donner un nom. Par exemple, ici, on a notre exemple. Ils ont aussi des goals, peut-être. On peut trouver des facteurs communs sur ces goals, peut-être on peut trouver sûrement des facteurs communs sur ces pain points, mais c'est bien de construire ces personas pour identifier notre target audience, notre micro-niche qu'on veut adresser avec notre idée de produit. Puis pour l'innovation, design thinking, avec le brainstorm, il y a Luke Roman, il y a un livre qui s'appelle Innovation Game, et donc, qui parle de du concept de ramener le jeu. Parce que les idées les plus innovatrices, ils viennent quand on est vraiment bien énergisé, quand on est vraiment dans le fun, on essaie d'avoir en fait une énergie très, très orientée, ok, on va oser, on va faire des choses, et c'est là où normalement les idées... Les idées, il y a une pluie d'idées qui se crée, il y a une telle énergie, le cerveau il est bien relâché et là on peut vraiment avoir des idées innovantes. Comme on disait, il y avait quelqu'un qui disait au fait si pour celui qui a inventé les voitures, il disait que s'il aurait demandé aux gens qu'est-ce qu'ils voulaient, ils auraient demandé des chevaux plus rapides. Donc, la voiture, elle n'aurait pas vu le jour. Donc, sur ces idées innovantes et sur ces façons d'animer des ateliers avec des innovation games, on peut avoir plusieurs objectifs. Donc, des objectifs pour,
pour augmenter les ventes, pour le marketing, l'efficacité du marketing, pour créer des roadmaps produits bon, adaptables. Quand on parle de business agility, agilité, c'est adaptabilité aussi. Donc, créer des roadmaps, des product roadmaps assez adaptables qui introduisent des changements selon les feedbacks qu'on reçoit du marché qu'on adresse, qui essaie d'améliorer la relation avec le client, avec les utilisateurs finaux. Il y a aussi des jeux pour voir au fait, et découvrir de nouvelles opportunités business. Il y a des outils pour faire bon, des games, pour faire du strategic planning. Donc, il y a pas mal de jeux. Et au fait, toutes ces techniques-là, ils ont été prouvées et ils ont fait leurs preuves sur plusieurs organisations qui apportent des bons résultats. Ils sont en total, je dirais, 12 techniques. Donc là, on a le Product Box. Product Box, c'est un atelier qu'on facilite, on va par exemple demander à des personnes d'imaginer un produit et de sortir par exemple le vendre dans la rue. Et donc ici par exemple à Paris, sur des organisations que j'ai accompagnées, sur tout ce qui est user experience, avant de développer une app, il y avait des personnes qui se déployaient sur les gares, Gare du Nord, Montparnasse ou autre, et qui demandaient à des personnes leur avis sur leur expérience utilisateur, s'ils préféraient cette couleur ou ceci ou ceci. Ils essayaient de faire de la collecte d'informations pour pouvoir bien cerner les tendances, pour pouvoir bien cerner le meilleur design pour le produit digital à développer. Il y a le Spiderweb. Le Spiderweb, c'est un autre game, c'est un autre jeu qu'on peut lancer. C'est vraiment voir en fait comment on peut toucher la vie quotidienne de nos utilisateurs finaux. Il y a le Speedboat. Le Speedboat, par exemple, il va analyser les. C'est comme faire un saut, je dis toujours. Il va analyser les vents qui vont nous aider, les opportunités qui vont nous aider. Il va analyser les requins aussi qu'on peut avoir dans la mer pour arriver à notre île de trésor. Donc, c'est un jeu aussi qui va emmener une certaine dynamique de co-construction pour stimuler une intelligence collective. Et toujours quand on parle de jeu, on parle d'idées de oser, de penser, de contribuer, et ça donne des bons résultats. Ici, pour la priorisation, on peut avoir by feature. Si on a par exemple un groupe d'exécutifs ou un groupe une équipe par exemple, pour prioriser les features, les fonctionnalités à développer, là on peut avoir by feature pour leur donner des monopolies d'argent, de monopolies. Ils peuvent miser sur les fonctionnalités qui leur paraissent les plus bénéfiques. On peut avoir aussi d'autres, donc show and tell, prune the product tree. C'est une façon de dire d'analyser ton produit. Tu analyses ton produit, qu'est-ce que tu as construit, tu dis ok, what's next, qu'est-ce que je construis. Et donc en fait, ça, quand tu le fais d'une façon avec une certaine intelligence collective, tu vas voir rapidement que les gens, ils vont peut-être avoir tendance à développer une partie plus qu'une autre. Donc, ça veut dire en fait que quand tu construis ton product tree, ton arbre de produits, tu vas voir rapidement les fonctionnalités sur lesquelles tu peux capitaliser. Donc, il y en a plusieurs. L'important quand on prépare, par exemple, ces ateliers d'innovation, c'est de se poser les bonnes questions, dire « Ok, qu'est-ce que je vais faire avec les réponses ?» Et après, faire la sélection de ces jeux-là et faire jouer les personnes
dans nos services, dans le département ou bien dans notre startup pour voir en fait où on peut trouver ces opportunités d'innovation. Une fois on trouve une opportunité d'innovation, normalement, là j'adapte un peu mon discours à des startups ou bien aussi à des grands comptes. Bon, normalement, on a besoin de budget, donc de budget pour pouvoir avancer cette idée. Elevator Pitch, c'est un outil aussi qui nous permet de vendre cette idée. Comme il s'appelle Elevator Pitch, c'est un pitch qu'on fait dans une montée d'ascenseur, dans une descente d'ascenseur, dans une montée d'ascenseur. Et donc, disons qu'on a 2 minutes pour vendre notre idée. Ce serait quoi les facteurs les plus pertinents à mentionner sur notre elevator pitch? Et normalement, là, sur l'elevator pitch, il y a une vision. Il y a une vision à communiquer. Il y a un slogan bien clair. Il y a une vision, il y a une mission. Il y a un groupe, il y a un micro-niche, il y a un target group qu'on veut adresser, qu'il y a des besoins bien concrets. Et on a une solution avec un produit qui est bien, bien concret. On a un business model et des business goals qui vont avec. Et moi, j'aime bien dire, avec le business goals, il y a le purpose, il y a vraiment l'impact positif que l'on veut causer sur les utilisateurs finaux pour que ça marche vraiment. Il y a aussi des outils, par exemple, comme Lean Canvas, donc, où on va analyser, par exemple, ça, c'est orienté Lean Canvas Service. Donc, ici, par exemple, on va voir les partenaires que l'on peut avoir, les activités clés qu'on voudra développer. Ça, ça peut se faire aussi en intelligence collective avec les membres qui travaillent avec vous. Les ressources qu'on va déployer, la proposition de valeur, la vraie proposition de valeur vraiment challengeante qui va créer ces facteurs différenciateurs par rapport à d'autres compétiteurs dans le marché. Comment soutenir cette bonne relation avec notre client, les segments ou bien les channels avec lesquels on va essayer de commercialiser notre produit. Aussi, on peut avoir les coûts de, sûrement, bon, des coûts de la structure, les revenus que l'on peut avoir selon le business model. Ça, c'est un autre link en bas qu'on peut avoir. Donc, là, on parle de partenaires, c'est orienté service. Là, ici, c'est orienté vraiment produit. Donc, les top 3 problèmes que l'on peut avoir, les top 3 solutions, comment mesurer au fait que ce produit-là, ça marche, la proposition de valeur, c'est quoi qui crée cette valeur différenciatrice et qui crée cet avantage au fait. On va parler peut-être d'élever les échelons. Donc, même si quelqu'un il voulait copier notre modèle ou bien l'acheter, il n'arriverait pas vraiment à développer ce produit de cette façon-là. Donc, comment toujours rester dans l'innovation et co-construire les segments de clients pour adresser les clients et les différents channels qu'on compte utiliser, le coût de la structure et la revue et le revenu au fait de tous les streams qu'on a. Ici, c'est un autre, par exemple, c'est un digital marketing canvas que moi j'aime bien. Il va en fait fusionner le Lean Canvas qu'on vient de voir avec ce qu'on appelle Pirate Canvas. C'est des mesures qui ont été inventées pour monitorer en fait l'acquisition comment l'impact que l'on génère sur une target audience. Donc ici on voit l'acquisition, donc l'impact qu'on génère, donc normalement quand on génère un bon impact, donc ici on a une acquisition qui se développe. Après, suite à cette acquisition, des gens peut-être qui viennent sur notre site ou sur notre produit digital
combien en fait ils se souscrivent par exemple à une newsletter, par exemple, ou combien ils nous contactent, donc combien ils s'activent, donc combien on active avec les actions qu'on mène. Après avoir activé ces personnes-là, combien ils commencent à parler de notre produit, donc les référents. Et qu'est-ce qui, en fait, les incite à parler, à faire des références sur notre produit, des recommandations sur notre produit. Et après, là, on peut avoir le revenu. Ici, il y a le cinquième, parce que Pirate Campus, c'est cinq. Donc, il y a l'acquisition, activation, retention. Et après la retention, il y a le revenu et le referral. Il y en a qui recommandent, il y en a qui recommandent. Mais ça permet de bien analyser avec une bonne sérénité, selon des mesures continues, les meilleures actions à entreprendre pour pouvoir stimuler des acquisitions, augmenter des activations, avoir des referrals et des retentions et augmenter aussi le revenu. On a aussi ici le brand, donc l'image qu'on essaie de construire, les différents markets qu'on adresse. Donc, si vous êtes sur un seul marché, je pense qu'il est temps de vous challenger sur l'ouverture vers d'autres marchés parce que le digital, il donne des options vraiment assez importantes. Là, si on est seulement sur un marché local d'un seul pays, je pense qu'aujourd'hui, avec le digital, on peut adresser très facilement d'autres marchés, mais cela va dépendre bien sûr de votre secteur d'activité. Un petit mot très rapide sur l'empirical learning. Donc, en gros, quand on fait tout ça, comme on a dit, on le fait d'une façon itérative, incrémentale. Donc, aujourd'hui, on a des utilisateurs qui sont dans un état. Avec le développement de nos produits, on essaie de les mener vers un autre état. Donc, on fait des développements de produits, on les lance sur le marché, on essaie de maximiser les sourires, donc les clients contents, la rétention de clients, des gens qui nous recommandent. Et normalement, c'est comme ça qu'on sait qu'on est sur le bon chemin. Mais ce n'est pas grave, ne vous découragez pas si ça prend du temps, parce que parfois, c'est un marathon. Parfois, c'est un marathon, ça va dépendre de votre produit. L'idée, en fait, aussi, c'est que quand ça part vraiment et c'est exponentiel. S'il y a des idées qui marchent, la plupart des idées, quand ça marche, parfois, ça a un effet exponentiel. Donc, ici, comme vous pouvez remarquer, il y a deux courbes. Donc, la première courbe des sales. Donc, là, quand ça commence à marcher, ça marche vraiment et ça monte très haut. Et ici, c'est le coût. Donc, normalement, quand on lance des choses, donc le coût est un peu élevé au début, mais après, avec des automatisations, avec des stratégies de budget cut, on peut diminuer ces coûts. Ce qui est intéressant et ce que j'aime bien rappeler, c'est que cette fonction, elle est exponentielle. Par contre, cette fonction-là, bon, celle-ci, elle est exponentielle et celle-ci, elle est linéaire. Donc, prendre une position dans une période de crise où on n'investit pas, selon des recherches menées, ce n'est pas une bonne chose à faire. Il faudrait bien mesurer en quoi investir. Comme ça, même des périodes difficiles, cette crise par exemple, les choses y commencent à aller mieux ou pas. Mais bon, je pense que ça va prendre quelques mois, mais ça va reprendre. Quand ça va reprendre, vous vous trouvez vraiment bien établi par rapport à vos compétiteurs et vous survivez. Si par contre on prend un comportement là où on fait le gelé, on gèle tout, on ne fait rien, on reste vraiment stable et on attend, je pense que ce n'est pas un comportement qui va vraiment stimuler la survie des entreprises. Les survies des entreprises, selon des études. Plusieurs périodes de récession, ils ont montré qu'au fait, les entreprises qui ont bougé, qui ont pris des risques rationnels, qui ont
rationnels, donc des risques bien médités, bien rationnels, selon des budgets, selon le gain, selon leurs capacités, sont les entreprises qui ont pu créer de la valeur et survivre à des périodes assez, assez difficiles. Donc, Marwan, je suis désolée de t'interrompre. Comme il nous reste en fait une vingtaine de minutes, je ne sais pas, est-ce qu'on peut ouvrir le débat pour des questions-réponses ou il y a encore des éléments à présenter? Je pense qu'il reste 5 minutes pour faire les 1h45. Donc, voilà, je continue et on laisse sur le débat pour une quinzaine de minutes, voire 20 maximum, parce qu'on a notre webinaire qui commence à 18h. Merci. Ok, à vous, très bien. Très bien, merci. Donc ici, juste pour rappeler la différence entre Business Agility et entre un plan qui ne change pas, donc avoir ce plan qui change, agile est très important. Être dans le customer centric est très important. Mettre vraiment l'énergie sur les gens, pas sur les process, est très important pour les grands comptes. Et bien sûr, tout ce qui est agile, ça marche vraiment bien dans tout ce qui est imprédictible, comme l'écosystème d'aujourd'hui qui est un peu imprédictible. Donc, ayant parlé de antifragilité, il y a plusieurs chemins à prendre. Donc, il y a pas mal de misconceptions et de mythes sur tout ce qui est product development et product ownership en gros. Il y a le management, donc les techniques de management pour stimuler l'engagement des employés et pour construire des cultures où les employés peuvent vraiment donner et se sentir vraiment bien en donnant dans les entreprises. Donc là, on parle de management 3.0, des social styles, de MBTI. Définir en fait le succès, analyser les contextes, des techniques pour le développement produit, le design thinking, les innovation games, les analytics qu'on peut avoir et le lean startup, donc pivoter. Pour pivoter, il y a aussi le A/B testing. Donc, on peut lancer une expérimentation A, une autre expérimentation B et voir en fait qu'est-ce qui donne de meilleurs résultats. La composition de nos partnerships, comment on se rallie à l'écosystème, c'est très important et l'automatisation. C'est très important. Donc, ces facteurs-là, ça aide les organisations à développer leur business agility et à devenir antifragile. Et aussi la granularité des services qu'on peut offrir. Ça, c'est un résumé de tous les outils que l'on peut avoir. Bon, pas de tout, mais d'une grande partie des outils que l'on peut avoir. Donc, on a mentionné déjà quelques-uns, le SOAT, Canvas, Elevator Pitch, One Pager, Persona, donc des outils à avoir dans sa sacoche, son cartable d'entrepreneur, savoir être bien près du marché, avoir une startup ou bien des avec des employés et des personnes bien fédérées, des team building qui co-construisent aussi dans le remote. Des bonnes relations entre les employés, c'est très important. Savoir mesurer, le inspect and adapt, très important, et le test and learn, c'est très, très, très important. Donc, ça, c'est un résumé des outils à avoir. Quand on parle de business agility, ça va dépendre un peu de la taille. Donc là, j'ai adapté un peu mon discours. Je sais qu'au fait, il n'y a pas de grand compte ici présent. C'est plutôt des PME. Mais la business agility, on peut en parler aussi sur d'autres domaines de compétences, leadership, individuals et opérationnel. Et donc là, il y aura pas mal de choses à adresser. Il y aura tout ce qui est board exécutif pour prendre des décisions, la distance pour prendre des décisions entre une équipe et entre son leader. Est-ce qu'on a des organisations N+5, N+7, N+1 ou plutôt flat organization? On appelle flat organization, une organisation horizontale. Les partenaires qu'on construit, comment au fait on les engage, la workforce, on peut avoir plusieurs domaines, comment on construit le one team, le strategic agility,
comment on construit une culture d'entreprise qui va emmener vers un growth mindset, un développement de mindset, qui va développer des ownership et des responsabilités de tous les individus qui travaillent pour avoir une responsabilité partagée. Comment faire un travail d'excellence, comment avoir une structure aussi adaptable. Donc, pour pouvoir rapidement s'adapter au changement du marché, on a besoin d'une structure très adaptable. On a besoin des process très simples et en gros d'une entreprise agility. Donc, what's next? What's next? Pour terminer, j'espère pour vous de faire de très belles choses, de innover, de oser, de créer des produits digitaux, d'en profiter et de réaliser, d'essayer, d'apprendre. Donc, c'est le souhait que j'aimais via cette présentation. J'espère que toutes ces informations vous seront utiles et que vous pourriez appliquer quelques-unes. Merci. Merci beaucoup, Marouane, pour la présentation. Merci beaucoup pour cette nouveauté, pour cette agilité. Derrière, il y a beaucoup d'outils interactifs qui s'orientent vers la démarche participative, le brainstorming, design thinking. C'est des nouvelles technologies qui permettent aujourd'hui de donner un souffle quand même à nos business. Maintenant, on a une dizaine de minutes, voire quinzaine de minutes. Donc, je vais m'orienter vers l'audience pour voir si vous avez des questions à poser à notre intervenant. Sinon, le temps d'avoir plus de demandes, je vais partager quand même une première question qui a été partagée au niveau de Facebook et qui demande dans le stade ou la phase de déclin, est-ce que l'abandon du marché est une stratégie intelligente? L'abandon du marché est une stratégie intelligente, mais c'est très difficile. C'est très difficile. Donc, en fait, c'est le pivotage. Donc, je parle par expérience. C'est très difficile quand on met le pied dans un projet d'en sortir. On veut le faire marcher, on s'obstine. Donc, ce que je conseille, c'est vraiment comprendre le pourquoi. Donc, c'est quoi la tendance? Donc, la tendance, c'est l'abandon du marché. OK, mais pourquoi? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque dans mon offre? Donc, vraiment bien comprendre pourquoi cet abandon de marché. Avant d'entreprendre une action, essayez vraiment de faire un deep dive, plonger vraiment en profondeur pour comprendre ce qui ne marche pas. Et si vous comprenez ce qui ne marche pas, essayez de réparer déjà, de faire un petit effort pour adapter votre offre, pour adapter votre façon de ça va dépendre un peu au fait de ce que vous allez trouver, donc d'y remédier et voir qu'est-ce que ça donne. Pour y remédier, je conseille au fait que quand vous menez ces recherches-là, que vous ne preniez pas beaucoup de temps non plus, parce que peut-être vous auriez pas mal de produits à lancer ou peut-être des meilleures idées. Mais je dirais, avec des interviews à 25 personnes, normalement, ça peut faire l'affaire. On peut déjà avoir un bon retour de 25 personnes assez divergents, assez différents et assez divergents, pour avoir une idée. Et s'il y a des ajustements à faire, ne pas dépasser 3 mois, 2 mois pour relancer. Donc, c'est un peu le conseil que je peux donner. D'accord. On a une autre question de Cicatop. Donc, au-delà des startups et bien sûr des grands comptes, quelles sont les applications de ces approches pour la TPME? Des applications, en fait, ça peut avoir des applications déjà sur la façon d'apprendre. Donc, la façon d'apprendre, comment on apprend les choses, est-ce qu'on les apprend d'une façon pragmatique ou est-ce qu'on les apprend d'une façon abstraite? Ça peut aussi stimuler l'expérimentation. Donc, l'expérimentation pour pouvoir découvrir. Ça peut stimuler un environnement de travail sain où, en fait, les gens... ils se sont encouragés,
ils se sentent qu'ils appartiennent, ils appartiennent à cette structure aussi. Ils ont le droit aussi de droit à l'erreur qui est très important, je dirais, parce que psychological safety, c'est aussi un composant très important pour pouvoir innover. Si on travaille dans une structure où on est juste un simple exécutant, ça stimule pas du tout l'envie d'un employé à donner à cette structure. Effectivement, c'est d'où le challenge pour la TPE derrière, parce que la TPE, on sait qu'il y a des managements qui sont différents et ces démarches d'agilité, c'est un peu un changement d'habitude à intégrer. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut conseiller pour que les TPE adoptent cette méthodologie facilement, à votre avis? Pour qu'une TPE puisse adopter cette méthodologie facilement, il y aura déjà une phase d'accompagnement de change model, donc d'accompagnement de changement. Moi, ce que je conseille, et mon outil favori pour mener les changements organisationnels, c'est ADKAR. Donc ADKAR, ça vient de Awareness, Desire, donc la conscience. Awareness, desire, le désir. Donc, une fois qu'on adresse la conscience de ces personnes-là, comment on peut émettre le désir de changer? C'est quoi les choses, au fait, qui ne marchent pas, qu'on aimerait bien changer? Après, on voit, au fait, les connaissances qui peuvent faire déficit dans une TPE, par exemple. Et on peut venir avec un catalogue de formation, ou bien avec des outils, ou bien avec des choses, pour dire... Une fois qu'on a eu cette perception et on a développé cette conscience de ce qui nous manquait et du besoin du changement, et qu'on a évoqué le désir de changer, et c'est la partie la plus intéressante, c'est comment évoquer le désir pour changer. Là, on peut accompagner avec des formations, des knowledge. Après, on peut mener la pratique. Et la pratique, encore, le droit à l'erreur, il est présent. Les gens, ils essayent, ils sont monitorés et ils sont accompagnés. Et après, en fait, c'est juste comment renforcer ce contexte et cet environnement et ces pratiques qu'on vient de mettre en place dans la TPE. D'accord, merci beaucoup. Donc, on a une autre question de Soumaya Faris que je tiens à saluer. Alors, Soumaya, il se demande comment rendre la phase recette du projet agile et pouvoir les gérer en remotely dans cette période de confinement ou de crise, surtout en réinventant les pratiques de l'utilisateur final dans un contexte de grand compte. Oui, la recette, comment la rendre agile déjà, ça va dépendre un peu des pratiques qui sont pratiquées dans l'organisation. Est-ce que déjà, des choses qui peuvent vraiment aider, c'est si on parle d'agilité, on parle d'individu et interaction. Il y a les process et les outils. Mais pour rendre la recette très agile, c'est vraiment avoir un chat, par exemple Slack ou Teams. C'est mettre en synergie les testeurs avec les développeurs. C'est peut-être aussi des choses que j'ai pratiquées. C'est organiser des test-à-temps, ce qu'on appelle des test-à-temps. C'est comme un hackathon. Mais par exemple, si on est dans un grand compte, j'en ai organisé des test-à-temps. Et ici, en fait, on essaie de mettre, par exemple, dans un parcours client qui est très grand, qui impacte pas mal de fonctionnalités, on essaie de mettre toutes les personnes autour de la table au même moment, d'une façon remote, ils sont tous au même moment, ils sont en train de tester au même moment, de travailler sur des choses au même moment, et ça permet d'agiliser la façon de recette et la correction des bugs aussi. Donc, c'est le même concept qu'un hackathon, mais c'est orienté test avec la correction des bugs et un channel qui est construit et synergisé. Très bien. Donc, j'espère que ça répond à la question. On aura une autre question au niveau de Facebook. Alors, il y a Marwan Ajraoui qui se demande quelle technique optimale à utiliser dans un contexte de crise pour un effet immédiat sur les partenaires de l'entreprise. Parce que là, tout le monde veut des solutions avec des résultats immédiats. Alors, quelle technique optimale vous conseillez?
Donc, pour avoir des résultats immédiats, déjà avec le Lean Startup, normalement, donc on a des design thinking. Donc, le design thinking, ça va nous permettre de voir en fait que notre projet, il peut avoir un market fit. Ok, ça veut dire en fait qu'il peut avoir un market fit très facilement. On peut mener des interviews pour voir en fait est-ce qu'il y a une audience qui peut adopter ce produit-là. Le concept de MVP. Le concept de MVP, le time boxé. Donc, time boxé dans des sprints. Utiliser par exemple du Scrum, donc du delivery chaque deux semaines. Et après, c'est chaque deux semaines, avoir un produit livrable qu'on peut développer et qu'on peut livrer sur le marché et construire sur ces cycles-là, un MVP. Donc, un MVP, normalement, il devrait arriver après 3 mois, 4 mois. Ça va prendre un peu de temps pour avoir un feedback. Donc, normalement, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Très bien. Donc, une autre question, en fait, c'est… On a plus des commentaires au niveau du chat. Donc, je remercie déjà Madame Safia Lamrani pour l'ensemble des points ou d'ajouts qu'elle a partagé au niveau du chat. Donc, un grand remerciement. On avait une question autour de la différence, en fait, ou le lien entre le plan de continuité d'activité, le plan de contingence et le management de risque en entreprise, VS Business Agility. Et je crois que ça serait notre dernière question avant qu'on clôture. Oui, une pratique de la business agility, c'est le momentum, donc le momentum pour prendre rational risks, donc des risques rationnels. Dans tout investissement, il y a un risque, et pour mitiger un risque, il y a une probabilité. Il y a une probabilité qui est associée, qui est calculée selon des sondages, par exemple, ou selon des market research, et il y a une sévérité. Il y a une sévérité. Par exemple, si on se lance là, on peut perdre, par exemple, X montant, ou est-ce qu'on peut perdre, on évalue donc la sévérité de si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on perd. Vis-à-vis à ces deux variables, normalement, on peut prendre des décisions en mesure, bien adéquates avec notre situation, notre contexte. Donc, probabilité et sévérité, tout simple. Merci beaucoup. Notre webinaire arrive à sa fin. Donc, je reviens vers toi pour un dernier mot de clôture et je reviens aussi vers les personnes qui sont avec nous au niveau du webinaire. Je vous prie de bien vouloir nous renseigner la mesure de satisfaction parce que c'est grâce à vos retours qu'on peut améliorer nos prestations. Donc, un dernier mot de clôture avant qu'on mette fin à ce webinaire. Dire en fait que dernièrement, j'ai vu pas mal d'initiatives dans l'écosystème, dans mon écosystème, là où je suis né, donc l'enfance, le Maroc. Et ça m'a enchanté de voir des personnes mobilisées, des personnes solidaires, des personnes qui donnent, des personnes qui sont vraiment… maintenant, sur plusieurs channels au monde, ils sont médiatisés comme des exemples à prendre donc, sur les mesures qui ont été prises par notre pays, le Maroc, par exemple, produire autant de masques, les exporter, ça m'enchante et j'en suis très, très, très content. Je dis à mes compatriotes, aux enfants de l'Afrique, aux Marocains, bravo, bravo à vous, continuez, essayez de créer des choses, des belles choses. Continuer sur cette dynamique. Merci au club des dirigeants pour son invitation. Merci pour ces initiatives au fait qui aident à créer des synergies entre des professionnels, qui nous aident à apprendre aussi des uns des autres. J'apprécie beaucoup et merci. Merci à vous. Merci beaucoup, Marwan. Bien sûr, n'hésitez pas à prendre contact avec Marwan sur sa page LinkedIn pour si vous avez d'autres demandes ou d'autres questions.
Sinon, avant que je fasse la clôture du webinaire, je fais quand même un rappel du prochain. Donc, rendez-vous à 18h. On aura un autre webinaire autour du développement personnel par la philosophie qui sera animé par M. Karim Kaderi. Donc, rendez-vous sur nos pages Facebook, Club des dirigeants. Je remercie toutes les personnes qui nous ont suivies sur le live ou au niveau de Zoom. Et on se donne rendez-vous à la prochaine, Inch'Allah. Donc, n'hésitez pas à renseigner. Je laisserai quand même le vote pendant une minute. Merci de renseigner le formulaire de satisfaction et à la prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup.